Alors, question suivante. Le couvert empêche-t-il l'utilisation de désherbants racinaires? Une question d'Olivier. Alors, oui et non. Alors, c'est une question un petit peu ambiguë. On y reviendra tout à l'heure. Si c'est dans le cadre de l'implantation du couvert, il faut être très prudent avec l'utilisation de certains herbicides racinaires et notamment avec l'utilisation des sulfonylurées au printemps sur les céréales. Ensuite, si c'est post-semis, c'est assez surprenant, mais les herbicides racinaires conservent une certaine utilisation, notamment parce que le zonage des graines adventices sont très proches de la surface. Et donc, alors que dans un système conventionnel, l'herbicide doit atteindre au moins les 5-6 premiers centimètres, donc être presque dilué dans une surface du sol, alors que l'action d'un racinaire dans une situation semi-directe se joue simplement dans le premier centimètre.